On va passer à l'intervention de Monsieur Lacroix, donc, qui est conseiller territorial risque majeur au département de la Gironde. Ben, vous pouvez vous présenter, Oui, si vous voulez. bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Lionel Lacroix, je travaille au département de la Gironde dans un service qui est un petit service qui, depuis 2015, essaye de faire émerger les notions de gestion de risques naturels, technologiques, sanitaires. Moi, je suis plutôt tourné sur les risques naturels. Et dans les risques naturels, eh bien, il y a les feux de forêt, il y a les inondations, il y a les mouvements de carrière, etc., etc. Et en Gironde, on a pas mal de problèmes d'inondations. Et comme vous l'avez vu dans le dernier web, les inondations, ça arrive par le fleuve, ça arrive par la mer, ça arrive par le cours d'eau et ça arrive par l'eau de pluie, donc qui a été définie aujourd'hui par le risque ruissellement, donc le risque pluvial, le risque des eaux, par les eaux pluviales. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler du schéma directeur des eaux pluviales. Parce que, une part de mon métier est de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les petites collectivités. Donc, j'ai vu la liste des participants. Il y a un certain nombre de personnes que j'ai peut-être déjà rencontrées. Et puis, on aura l'intervention de Madame Brett Pauly, avec qui on a pu travailler. Et puis, la mairie de Landiras aussi, Monsieur Claire. Donc voilà, mon travail est d'accompagner les collectivités. Et là, dans ma présentation, je vais essayer de quitter un peu le monde expert qui a été parfaitement illustré par les collègues du CEREMA. Essayer de peut-être de m'approcher un peu plus des problématiques ou des approches des petites communes rurales qui sont concernées par ce risque et qui doivent faire face. Qui doivent faire face sans forcément beaucoup de moyens. Est-ce que c'est bon Bon, pour la oui, diapo? vous pouvez y aller. OK. Alors, vous me direz de changer les diapos, voilà. Oui, on improvise, je crois qu'on a un quart d'heure, on va essayer de faire ça comme il faut. Oui. Donc moi, pourquoi on m'appelle? Parce que souvent, je vais entrer un peu dans le vif, vous avez un maire qui subit les assauts de riverains, à chaque orage, je suis inondé, faites quelque chose, c'est pas possible. Ou alors un maire qui a subi une énorme, je veux dire, une intensité de pluie forte, des inondations partout, et qui reçoit jusqu'à des menaces de mort, des lettres de menaces de mort, parce que les gens sont traumatisés d'avoir perdu leur maison. Voyez. Ou alors encore un maire qui vous appelle et qui vous dit comment je peux refuser un permis de construire quand le PLU n'indique rien. Et donc comment on fait pour aborder ces petites questions? Eh bien, un des outils, alors on peut trouver des biais, etc. Et je ne ferai pas que j'oublie de parler de l'article R111-2, qui est un très très bon outil pour les maires. Je vous invite déjà à le noter là sur le R111-2 du Code de l'environnement. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, comment on fait? Mais un des outils, c'est le schéma directeur des eaux pluviales. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler un peu de quel est l'intérêt de cet outil, quelle vigilance, quel investissement. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis, je vous présenterai un peu quel accompagnement le département peut vous apporter. C'est parti. Donc, quand je vous ai mis des petites phrases de temps en temps dans le diapo, les conséquences d'un risque mal évalué et mal partagé sont traumatiques. Il faut savoir qu'en termes de responsabilité, le maire a le devoir d'alerter et de mettre en sécurité. Donc ça, il faut toujours le garder un petit peu en tête quand on parle de schéma directeur des eaux pluviales et de gestion du risque. Ouais, c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de coupler la gestion de ce réseau d'eau pluviale avec la notion de gestion du risque inondation. Alors, une bonne nouvelle. C'est que le risque s'apprend, s'évalue et se réduit. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. On est capable, nous humains, d'apprendre qu'il y a des risques et des aléas qui nous mettent en danger. Et donc, on peut être moins vulnérable si on applique certaines actions. Bon, ça, c'était pour une petite parenthèse. Voilà, alors les diapos sont un peu chargées, j'ai fait ça très vite, on va essayer de. Mais peut-être que vous allez vous en servir aussi après. Donc, il faut savoir qu'un schéma directeur n'est pas un schéma directeur des eaux pluviales n'est pas un outil obligatoire.
C'est pas un document obligatoire. Ça sera surtout un outil d'aide à la décision, comme un guide, qui va vous permettre à la suite de pouvoir construire ce fameux zonage règlement, donc de venir planifier et réglementer la gestion des eaux pluviales sur votre commune. Ça va être un outil qui va vous permettre de gérer le patrimoine public qu'est ce réseau pluvial qu'on connaît peu. Et puis, ça va permettre également à l'équipe communale de mieux gérer le risque et d'anticiper la gestion de crise au lieu de subir. Donc, le schéma directeur va venir répondre à des questions techniques et va venir replacer la responsabilité du maire face aux risques naturels et donc mieux anticiper. Quand je disais tout à l'heure, je revenais un petit peu en arrière, quand je disais tout à l'heure, le riverain qui vient râler, à chaque orage, je suis inondé. Tous les orages ne sont pas les mêmes. Toutes les intensités de pluie ne sont pas les mêmes. Donc, il faut savoir quels orages provoquent les tels débordements. C'est ce que disait tout à l'heure un petit peu le CRMA. Voilà, on parlait d'occurrence de pluie. Ensuite, quels enjeux sont véritablement touchés? Parce que les gens viennent râler, mais en fin de compte, est-ce que c'est la maison ou est-ce que c'est le jardin qui est touché? Donc, ce n'est pas tout à fait le même enjeu. Ce n'est pas tout à fait la même responsabilité. Est-ce que l'eau arrive du réseau public ou alors est-ce que l'eau arrive de la parcelle? Donc, voilà aussi, est-ce que la position et la responsabilité du maire est différente? Ensuite, on va pouvoir se poser des questions comme peut-on faire des travaux ou pas? Ou peut-on encore urbaniser sur ce secteur sans aggraver le risque? Donc, le schéma directeur va répondre à tout ça. Pour faire tout ça, je vous ai mis un petit tableau ici qui reprend un peu les quatre grandes étapes, cinq grandes étapes pour faire un schéma directeur. S'engager dans un schéma directeur, c'est déjà reconnaître que le réseau pluvial dysfonctionne. Déjà accepter ça, c'est déjà un bon début. C'est ne plus avoir de déni, en fait. Et concevoir une réponse assumable, c'est aussi rester dans la réalité des moyens. Voyez. Donc, on va aller un peu vers ça. Alors, la première étape qu'on va avoir dans un schéma directeur d'eau pluviale, ça va être de connaître. Voilà, connaître, et on parle de connaître le risque, connaître. Et connaître quoi? Connaître l'objet sur lequel on doit travailler, c'est-à-dire le réseau d'eau pluviale. Et donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de numériser et de connaître le réseau d'eau pluviale, réseau que personne ne connaît trop, qui s'est construit au gré des aménagements. Et en fait, pour peu que l'historique des anciens soit perdu, et plus personne ne sait comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez dans le tableau, dernière colonne de droite, il va falloir faire une prestation de géomètre qui va venir relever le réseau. La deuxième étape que vous allez avoir à mener, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on nous dit, il pleut, la pluie tombe, ça inonde. Bon, ok, mais alors, quelles sont les pluies où passe l'eau, etc. Et donc, ça va être une analyse du comportement du réseau. Et donc là, on parle de prestations d'hydrauliciens, d'hydrologie. Donc, le CEREMA, vous avez évoqué les modèles. On parle de modélisation hydraulique. Une fois qu'on va avoir connu ça, qu'on sait comment ça fonctionne, où l'eau déborde, eh bien, l'étape suivante, ce n'est pas de faire des travaux. La solution, ce n'était pas cela, c'est d'abord de définir une stratégie. Parce qu'il va falloir, à ce moment-là, et c'est là le plus important, et c'est ce que tout le monde oublie un peu, et on essaye de partir directement sur les travaux ou du zonage, c'est d'abord de réfléchir sur quel niveau de service la commune va vouloir se positionner et donc assurer et garantir un fonctionnement. Donc, à ce titre, vous avez toujours cette norme-là. Je vous ai mis le numéro de la norme NF752-52. C'est une norme qui indique qu'en zone rurale, la commune pourrait, c'est une norme, ce n'est pas une loi, devrait assurer le fonctionnement pour les occurrences décennales dans des zones un peu plus urbaines, des lotissements, le vingtennal, et puis dans des zones très urbaines ou des ZAC, ça serait l'occurrence trentennale. Bon, ce sont des indicateurs qui peuvent guider la réflexion, mais vous allez voir que toutes les choses ne sont pas si simples. Donc, une fois qu'on a défini ce niveau de service,
il va falloir quand même regarder, par exemple, si on se positionne sur des décennales, il va quand même falloir regarder qu'est-ce qui se passe pour des pluies plus fortes. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est dit que ça allait marcher pour les décennales que ça y est, on a réglé le problème. Le risque, il sera toujours là. Et notamment avec des aléas rares qui vont tomber dessus et qui vont tout inonder. Et donc, les riverains qui vont dire, ah, ben, vous deviez faire quelque chose et en fin de compte, vous n'avez rien fait, il n'y a rien qui fonctionne. On a fait quelque chose pour les décennales, au-delà, on ne sait plus faire, donc comment on s'organise? Donc, à ce moment-là, on va regarder si on sait faire des travaux, c'est-à-dire est-ce qu'on sait faire techniquement des travaux qui peuvent répondre à notre niveau de service, et est-ce qu'on a les sous pour les faire? Vous allez voir un peu plus tard que ce n'est pas si évident. Et si on n'a pas les sous, si on ne peut pas faire les travaux, mais quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour réduire et éviter les dommages? Donc, à ce moment-là, c'est des prestations, vous voyez, qui couvrent du VRD pour savoir, pour faire des pré-études de faisabilité de travaux, des chiffrages. Ça va être des gens qui vont vous parler de gestion du risque avec des grilles d'analyse du risque, comme on a vu un peu auparavant avec le CEREMA, ou des experts en urbanisme qui vont venir parler un peu du zonage, vous dire ce qui est possible, pas possible, pour aider à la décision. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il va falloir prévenir en appliquant ces décisions et donc de venir construire votre zonage et votre règlement, de venir peut-être mettre à jour votre plan communal de sauvegarde et éventuellement programmer un plan d'investissement qui sera calibré sur plusieurs années. Donc là, on a des prestations d'élaboration de rapports, bon, il faut rédiger des documents. Et puis, dernière étape dans ce processus que vous allez engager quand vous partez dans un schéma directeur d'eau pluviale, la finalité, en fait, à la fin, c'est de pouvoir communiquer. Donc, il y a la finalité travaux, il y a la finalité gestion du risque, c'est cette finalité aboutit à communiquer. La première chose à communiquer, peut-être, ça va être le dépôt à la DDTM de votre zonage et règlement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça va avec ma petite parenthèse sur l'article R111-2. En fait, quand vous allez faire votre zonage, pour qu'il soit complètement opposable, il faudrait qu'il soit intégré dans une révision ou une modification de PLU ou PLUi. Or, la plupart du temps, les calendriers ne chevauchent pas, ce n'est pas fait en même temps et vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Donc, le fait de venir déposer un zonage et un règlement à la DDTM, vous allez pouvoir bénéficier d'un arrêté de conformité. C'est-à-dire que la DDTM va dire, bon, ben, ce que vous avez fait, c'est légalement conforme aux règles d'urbanisme, aux contraintes que vous pouvez poser. Et donc, ça sera un premier pas dans un outil qui commence à être, comment dire, valable pour venir compléter, par exemple, votre refus de permis que vous aurez émis dans le cadre de l'article R111-2. Bon, je ne m'étends pas sur ça parce qu'après on parle d'enquête publique, etc., etc. Et puis, autre plan à communiquer, c'est de revenir vers les riverains. Donc, vous avez ce fameux DICRIM. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Ça va un peu avec le PCS. Ce sont des outils obligatoires, des documents obligatoires. DICRIM, alors, qui signifie dossier d'information communale sur les risques majeurs. Et donc, c'est un document que vous devez présenter à vos riverains, à vos administrés, pour les alerter sur les différents risques. Donc là, vous allez pouvoir faire passer vos messages. Puis vous avez vos gazettes et des réunions publiques dans des quartiers, par exemple, sensibles au risque d'inondation. Donc voilà un petit peu les étapes que l'on peut retrouver avec notamment cette étape-là au milieu, décider, où ça demande un petit temps de réflexion pour bien se positionner et engager un programme pluriannuel pour gérer ce réseau, ce patrimoine, ce réseau patrimonial. Voilà, alors comment ça se passe concrètement? Mais quelle échelle pour un schéma directeur? L'échelle, je pense qu'il n'y a pas plus précis. Voilà, pour votre information, je suis là depuis 2019, une trentaine de schémas directeurs. Voilà, il n'y a pas plus précis que la commune. Voilà, l'échelle, c'est la commune. Le délai, ce n'est pas en dessous de 6 mois à compter de la notification du marché. Le montant, si vous voulez faire toutes les étapes qu'on a vues avant, c'est-à-dire que du relevé topo à aboutir jusqu'au zonage, enquête publique,
mise à jour du plan communal de sauvegarde, etc. C'est entre 35 000 et 60 000 euros. Ça dépend ce que vous apportez comme données en entrée, si vous connaissez votre réseau ou pas. Voilà. Il y a une grosse part de géomètre qui est là-dedans. L'implication, ça va vous demander quand même à vos agents, à vos équipes, de fournir un maximum de données factuelles sur la connaissance du réseau, sur les événements passés. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois que vous avez un événement à dater l'événement, parce qu'avec ça, on peut retrouver les historiques de pluie avec Météo France, et puis de faire des photos qui vous permettent de venir repositionner les modèles hydrauliques. Et puis, je dirais en mobilisation intellectuelle, si on peut revenir juste un peu avant, voilà, mobilisation intellectuelle, en effet, il va falloir peut-être plonger un petit peu dans ce que c'est que le risque, le croisement entre l'aléa et la vulnérabilité, le CIRNA vous en a parlé, et là-dedans, on parle d'occurrence de pluie. Et moi, je me suis aperçu que c'était un point de vigilance parce que là, il y a des gens en commune, c'est normal, enfin, ils doivent gérer tellement de dossiers qu'on n'est pas des experts en hydraulique. Donc, ces termes d'occurrence, quand on vous dit décennale, ce n'est pas qu'il ne va rien arriver pendant 10 ans. Ça veut dire que décennale, ça veut dire qu'il y a une chance sur 10 que ça arrive chaque année. Donc, c'est une occurrence d'événement. Donc, vous voyez, c'est ces notions-là dans lesquelles il va falloir plonger un petit peu pour pouvoir justement mieux décider. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que ce type d'étude révèle que la solution de travaux tant attendue, tant espérée, n'est plus la solution évidente et que le risque demeure. Et donc, quand on comprend ces résultats qui nous arrivent, eh bien, cela demande à penser autrement. Et donc, parfois, à remettre en question nos projets de développement. Donc, je vais pas, on pourra y revenir dans vos questions si vous voulez. C'est ici, aussi, je fais appel à des choses comme éviter d'augmenter les désordres. Vous voyez, ce n'est pas la peine de rajouter de la vulnérabilité dans des endroits vulnérables. Ce n'est pas la peine d'augmenter la construction sur des zones à risque. C'est la peine d'adapter, il faut adapter peut-être les enjeux qui sont déjà en place. On parle de mitigation, quand on parle d'adapter les bâtiments, vous savez, les bâtardeaux, ou construire des maisons, mettre des règlements pour construire des maisons un peu en hauteur, etc. Et puis, c'est surtout organiser la mise en sécurité. Quand on ne sait plus faire avec les travaux, la seule chose qui reste pour le maire, c'est d'organiser la mise en sécurité. Donc, c'est d'être fort sur l'alerte et sur la mise en sécurité. Comment on fait pour mettre en place, voilà, vous êtes une commune, bon, j'ai vu, j'ai mes 35 000 euros, j'ai mes 40 000 euros, comment je fais? Eh bien, il y a déjà plusieurs façons, de s'organiser administrativement. Vous pouvez partir seul, une seule commune, mais ça sera le cas de Landiras, que vous allez avoir tout à l'heure, qui va vous faire un retour d'expérience. Vous pouvez avoir plusieurs communes qui se regroupent dans un groupement de commandes. Ce sera le cas de la Trenne qui va vous et Madame Brel-Poli qui va vous raconter son expérience. Ça peut être plusieurs communes qui délèguent la maîtrise, leur, une maîtrise, la compétence, leur maîtrise. Alors plusieurs communes qui délèguent leur maîtrise d'ouvrage à l'EPCI. C'est un petit peu le cas, si je ne m'abuse, du Val de l'Eyre. Je crois qu'il y a la commune de Belin-Belier dans les invités. Voilà, il y a les quatre communes qui ont délégué un petit peu la réflexion à l'EPCI. On peut aussi avoir une EPCI à fiscalité propre qui prend la compétence eau pluviale. Et donc, on a par exemple le cas, alors là, on parle de GEPU, gestion des eaux pluviales urbaines. Bon, je ne rentre pas dans ce détail parce que c'est pour les communes rurales, c'est un peu délicat. Mais on a le cas de la CALI, un comité d'agglomération, et qui a la commune. On a aussi des gens de la CALI, je crois, dans les invités, qui a la compétence eau pluviale à gérer pour toutes les communes. Donc, il réfléchit à qu'est-ce que pourrait être un service gestion des eaux pluviales à l'échelle d'une telle EPCI à fiscalité propre. Hein, je ne sais plus combien il y a de communes, je me demande s'il n'y a pas 60, 50 communes, je ne sais plus, c'est énorme. Et puis, on peut aussi avoir un EPCI type syndicat mixte. Qui prendrait la compétence eau pluviale comme un syndicat d'assainissement ou comme ça qui prendrait cette compétence. Ensuite, une fois qu'on a décidé comment s'organiser, alors les avantages et les inconvénients, hein, vous les voyez chacun comme vous voulez, des réductions d'échelle, des cohérences hydrauliques, etc., etc. Plusieurs formes de marché possibles. Ça aussi, c'est très important. Ça peut être à phase, à tranche, à bon de commande.
allotis ou pas. C'est important parce qu'en fait, il faut savoir que les communes sont soumises au code des marchés publics et c'est extrêmement contraignant. Donc, il faut faire un petit peu attention et bien réfléchir ça. Ça permet de bien conduire les opérations. Donc, ce que je dirais comme point de vue de réussite et de vigilance, c'est avant, bien adapter le marché aux besoins et aux moyens. Par exemple, si vous m'appelez, vous me dites, j'ai 5 000 euros pour travailler, bon, eh bien, on va se dire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commander une numérisation du réseau. On va déjà essayer de connaître le réseau. Voilà, ça, on ne pourra pas aller plus loin. Donc ça, c'est important. Et adapter le marché aux besoins et aux moyens, c'est aussi quelle forme on donne au marché. Vous verrez que l'expérience de Madame Brett Poli avec le groupement de commandes, le groupement de commandes avec des marchés allotis à bons de commande, permet une certaine souplesse entre chaque collectivité et une recherche de subventions optimisée. Ensuite, point de vigilance, pendant le déroulement du schéma, eh bien, moi je reviens sur cette phase où il faut définir un niveau de service communal assumable. Et donc là, il y a un temps de réflexion pour se dire qu'est-ce que j'assume en termes de fonctionnement du réseau et comment je m'organise quand mon réseau ne fonctionne plus. Et ça, c'est primordial pour dégager la responsabilité de l'équipe communale. Et ensuite, après, eh bien, c'est intéressant que le rapport et que toutes ces données ne restent pas dans un placard. Et donc, il faut valoriser les résultats. Je vous dis ça parce que j'ai croisé récemment une commune qui a fait son schéma directeur et puis qui ne s'est pas emparée des résultats et qui est partie sur des travaux sans, voilà, comme ils avaient imaginé avant. Voilà, donc, on ne sait pas pour quelle occurrence ça fonctionne. Enfin, donc, certainement que ça peut marcher, hein, c'est très empirique. Mais bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir optimisé, de pas avoir optimisé toute cette étude pour faire des travaux adaptés. Donc, valoriser les résultats, mais tous ces résultats vont vous permettre de guider le choix des zones urbanisées, de réglementer l'urbanisation, d'alerter et de mettre en sécurité, de prioriser des investissements et des travaux, et de communiquer intra-extra-communal sur le risque. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Alors, comment le département peut vous aider? On a plusieurs cellules au département, plusieurs services auxquels vous pouvez faire appel. Moi, je travaille à l'ATERISC. Donc, je vous ai mis les contacts sur la gauche des mails. Hein. Moi, on appelait ça ATERISC, assistance technique sur les risques. Il y a un petit jeu de mots sympa. Le département propose une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités sur la prise en charge des risques naturels, technologiques, sanitaires. Donc, on fait du conseil, de la mise en place d'opérations. Donc, on vient vous aider à rédiger des marchés, à rechercher des financements et puis des fois à suivre l'exécution pour vous aider un petit peu à traduire tous ces documents et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on en fait. On a la cellule Aménageo que vous connaissez peut-être et là qui va venir mettre du lien et de la cohérence entre comment dire, les approches urbanisme et les ressources en eau. Et la ressource en eau, donc surtout de la ressource en eau, hein, de l'eau potable, l'assainissement, le pluvial. Donc là, c'est intéressant, notamment quand vous êtes en phase PLU, parce que souvent ce volet eau est un peu, donc peut-être de moins en moins dans les nouveaux PLU, mais jusqu'à maintenant, c'était un peu obsolète. Et en fait, c'est quand même la clé du développement, l'eau, hein, je vous le rappelle. Sans eau, c'est compliqué. Voilà. Donc on peut se développer, mais pas sans eau. Ensuite, le service aide aux communes et structures intercommunales. Je pense que vous connaissez ce service, on appelle ça le SACSI. Donc, c'est eux qui gèrent l'instruction des données de subvention. Donc, on a deux régimes qui peuvent vous aider sur ce schéma directeur. On a une première approche par je dirais par l'approche assainissement. Quand vous avez des schémas directeurs d'assainissement qui sont remis en place, bien, si vous intégrez l'eau pluviale dedans, vous avez un soutien à 20%. Et puis, on a une ligne sur le si. Si votre problématique de pluviale a des liens à des problématiques d'inondation qui sont liées, on a une ligne de subvention à 40% sur les études, sachant que on ne va pas trop sur les, on ne va pas sur les travaux. Le département n'accompagne pas les travaux au pluvial. Donc je voulais donc voilà, vous avez contact ATERISC, Aménageo, SACSI, et puis toujours je vous ai remis le contact Gironde Ressources, que vous connaissez certainement, peut-être vous êtes adhérent, et c'est aussi une clé d'entrée, puisque nos collègues conseillers territoriaux reviennent après vers nous quand il y a des problématiques particulières.